C'est pas fini ou qui pour sauver ou. C'est ça, petit proverbe créole l'a dit. Et mais c'est ça, les États-Unis a fait actuellement là, ensemble avec un paquet de membres, le gouvernement haïtien, mesdames et messieurs, côté, lui décide de mettre moun sa yo au pied du mur par rapport ensemble avec un paquet de zak malhonnête, yo te kon fait en de pays. Nous tout la connaît nos 5 ministres dans le gouvernement Ariel Henry que les États-Unis prennent sanction contre. Mais est-ce que nous connaît pour qui ça exactement les États-Unis prennent qualité sanction ça yo? Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, nous prenons tout détail tout à l'heure comme ça. République dominicaine continue à maltraiter haïtiens qui vivent sous terre dominicaine. Côté désormais, haïtiens qui vivent dans Dominicani, pas qu'à voyer transfert en Haïti si yon pas gagné yon visa avec yon passeport qui checké chaque mois en République dominicaine mali ça. Et à partir de 14 novembre ça, mesdames et messieurs, pas gagné pièce moun qui capable rentrer sous terre dominicaine nan, si toutefois yon illégal, chercher au l'autre côté ou aller ou du moins rete nan pays où c'est ça ministre affaires étrangères ak ministre défense République dominicaine nan yon même yon arrivé déclaré. Et seulement mois d'octobre qui s'est passé à la République dominicaine voyait tourner plus passer 14 000 haïtiens la caillou et au cours de ces 48 heures plus passer 668 haïtiens joignent déportation yo dont comédien haïtien que nous connaissons en pile qui c'est Mathias Dandor qui donc ensemble avec moi nous prend le temps des déclarations moun qui a géré question réfugiés en Haïti qui a travaillé dans gare. Puis devant nous gagner Fednel mon chéri, mesdames et messieurs, encore une autre fois qui décidait tacler Pierre Espérance. Eh bien, guerre ça qui gagne entre deux monsieur Sayo définitivement, nous pas connaît qui côté la privée. Exactement. C'est toute information avec diverses sortes qui pourrait faire essentielle actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5 chaîne information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, n'a pas temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite en famille ou en amis ou abonné à Info 5 pour être capable toujours être connecté à bon information. Jeudi, c'est lundi 14 novembre 2022. Mais avant de nous rentrer dans le développement titio, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti frappée, côté lui arrivé blessé mortellement, Charles Jacna alias Zion ou du moins Z. Chef gang Jeff a été metté pour diriger Canaan 4 à Canaan 5, tombé dans échange coup de zam ensemble avec la police dans la zone Karadé. La police confisqué un pistolet calibre 9 mm qui était dans mêle. Charles Jacna alias Zion ou bien Z, te vin chercher yon rançon nan men yon chauffeur camion marchandise, li te saisi sur route Canaan nan moment la police tap tente maîtriser. Zion, nan divers assassinat kou, assassinat yon marchand poule ki ta vann nan station Canaan, Katla, et puis li participe nan assassinat policier BLVV Henry Mark Williams nan zone Canaan. Nan date 12 avril 2022, li touye Azi Ifania la Kali nan Canaan 4. Se mi se tout qui te désarmé, yo policier 27e promotion nan date 25 mars 2022, mesdames et messieurs, kote yo te remet zam nan ba chef gang Jeff. Li te désarmé tout, yon agent Bezap. Et c'est toute accusation ça yo que eh bien Zion ou bien Z te gagné sous dol mesdames et messieurs la police arrive stopper dans zone 42. Comme nous connaissons déjà, la police nationale d'Haïti est arrivée mettez en bas corde yon inspecteur divisionnaire qui relait Walkin et l'été affecté tout nan palais national mesdames et messieurs puisque sous yon photo nous capable ouais que Walkin lui-même li t'a ouvert porte machine pour Martine Moïse ancienne première dame pays d'Haïti qui sa la police nationale d'Haïti joine nan Walkin eh bien
Li jwenn 4000 cartouches de calibre 5.56 mm, 41 cartouches de calibre 9 mm, yo pistolet de calibre 9 mm, modèle Glock 19 série LML 879, 3 chargeurs de pistolet Glock 9 mm, 2 téléphones portables, yo Samsung Galaxy Note 10 ensemble avec yo iPhone 12, yo somme de 934 500 gourdes ou du moins 186 900 $ haïtiens. Actuellement là, li en garde à vue pour trafic de munitions. Et d'après ça, nous arrivons à prendre, mesdames et messieurs, eh bien, Joaquin Pierre lui-même, il a acheté cartouche sa yo pour un chef gang qui a dirigé n'importe au prince. Donc, la police nationale d'Haïti toujours gagné des moun andol qui continue à collaborer ensemble avec groupe armé. Jeudi à lundi 14 novembre, c'est jour, il y a pas chanté funérailles. Eh bien, mesdames et messieurs, Éric Jean-Baptiste, l'homme d'affaires et homme politique qui arrivait tombé en bas cartouche, bandit, y'a pas arrivé identifié, mesdames et messieurs, après toute rumeur qui a circulé, Timakak dit c'est Patli, c'est Toto, y'a dit c'est Hélène Lalime, jusqu'à présent là, DCPJ poko capable aboutir ensemble avec yon enquête pour connaître qui est ou pas qui assassiné Éric Jean-Baptiste. Ayer nan veili, Mirland Maniga, mesdames et messieurs, qui c'est dirigeant RNDP, côté Éric Jean-Baptiste, te secrétaire général, te a parlé de Éric. L'a expliqué qui est qui Éric, qui Jean Éric te kon li même agi. Et fok nous connaît, gen yon garçon qui mourit, mais gen plus passe 10 000 moun, mesdames et messieurs, qui rete sans emploi. Ensemble avec moi, entendez des déclarations, Mirland Maniga. Éric est très ferme pour le respect des statuts du RDM. Cependant, Éric, étant donné culture politique qu'il a gagnée par la lecture et par l'expérience, parce que son monde a fait politique depuis quelque temps, il a toujours dit tout que son monde n'est pas esclave de droit. C'est pas sa droit à dire ou esclave. Et qu'à côté du droit, on barraille y aurait la politique, on barraille y aurait le consensus, on barraille y aurait position qu'on va prendre, qui relevait de l'histoire, qui relevait de la psychologie, etc. Et que quelquefois, fois, il faut quitter le droit de côté. Il faut que qu'on travaille ou exprimer selon nécessité. Et dans toute nécessité du moment, ça y est, jamais, au grand jamais, nous sommes capables de penser que la nécessité du moment, c'est un assassinat, le secrétaire général. Nous n'avons pas pensé à ça. L'idée n'est pas d'arriver, nous n'avons pas personne qu'on va être consentant à qu'on fait. Mais si Eric est capable de nous conseiller qu'on y est, il t'a dit attention, moi mon lit, je ne parle pas encore. Je ne vais pas décider pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons décider. C'est pour nous mettre tête nous ensemble. Et tant qu'on te dit, la première déclaration que je te fais, deuil, il faut qu'il finisse. Deuil, bon moment. Et deuil que nous célébrons aujourd'hui, hein, sont deuil avec des larmes, en pile tristesse. En pile affectation, mais cependant, dans ça, n'est pas vital éternel. Il faut que nous ramassions courage, non, que nous ramassions RDNP, pour nous essayer de suivre. Nous gagnons deux mondes pour guider nous pour RDNP. Leslie Maniga, quittez ou documents, il quittait plusieurs documents et dernier travail que Eric demandait pour me faire et que me fait et que me dit pour me remettre ces RNN, les il t'aimait que mettait en ordre tout ça, les slips étaient oubliés dans sa vie. Et effectivement, moi, Fel, je cherchais documents qui l'a caillé, tout ça publié, ça pas publié et
m'a promis CEM là. Et a décidé qui ça pour faire avec lui. Simplement, je pensais que c'est un acte de fidélité de Leslie, de Eric à l'égard de Leslie. C'est peut-être ça, moi m'a remercié en pile. Moi qui vient rendre nos visites, qui n'est pas membre de MP, qui connaît RDMP peut-être, qui vous met en contact avec lui. Pas d'accord avec lui. Eric est une sorte de tendresse particulière pour les membres du RDM. Ça, pour les plus jeunes, nous prions, eh bien, nous prions encore pour d'autres raisons. Et chaque fois nous crions, songez qu'on ne peut pas prier pour la vie. Voilà, nous sommes deux déclarations, Mirlande Maniga, mesdames et messieurs, qui t'a parlé de Eric Jean-Baptiste, un collaborateur, ensemble avec vos amis. On rentre directement dans le développement titre. Nous tous là au courant de cinq non-ministres qui à pied dans ce moment-là, dans le gouvernement Ariel Henry, jusqu'à ce que Ariel Henry arrive remplacer de la danyo. Selon ça qui sorti dans le moniteur, Ariel Henry a remplacé Lise Kitel, notre tête ministère intérieur à collectivité territoriale là, et Emily Prophète a remplacé Berthaud Dorsey, notre tête ministre justice là. En attendant, mesdames et messieurs, alors que Jean-Joseph Lebrun, lise nouveau président la Cour de cassation. Eh bien, avant que yon révoque Berthaud Dorsey, Berthaud Dorsey dit pas pral pou kont li, li révoque Jacques Lafontan. Côté Richemont, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement Okaïla, c'est nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince-là. Ronald Richemont, qui gagne non cité, n'a yon paquet escandale, si tout escandale qui te fait autour de assassinat journaliste Kayen, qui c'est Gary Tess. Eh bien, c'est lui-même qui nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince-là. Eh bien, parmi cinq ministres sa yo, que Ariel Henry jouen pour révoquer ou du moins les États-Unis mettent sanctions sous dos yo, gagne quatre là-dedans yo, mesdames et messieurs, Ricard Pierre, Enol Joseph, Berthaud Dorsey, Lise Kitel, que les États-Unis prennent sanctions contre yo pour trafic de drogue, blanchiment l'argent, association de malfaiteurs et relations ensemble avec gang. Définitivement, nous gagnons un gouvernement gangsterisé et droguelisé. Si nous capables de dire comme ça, parce que plus fois ministre qui dans gouvernement ça, y a tout dans trafic drogue, mesdames et messieurs, bagay yo pas facile du tout. Le gars de Lise Kitel qui t'a gagné accusation, OK? Qui gagne accusation, mesdames et messieurs, de kidnapping sous dol. Berthaud Dorsey te gagne accusation trafic drogue sous dol. Je dis à la, autant de les États-Unis, jouen moun sa yo, nan blanchiment l'argent, trafic illicite à trafic drogue. Et c'est Charles Lebredi, ministre environnement, c'est parce que il y a un projet, il était mal dirigé, qui fait les États-Unis prennent sanction contre lui. Mais quatre ministres, parmi plus gros ministères qui existaient en pays d'Haïti, intérieur, justice, planification et défense, notre trafic de drogue. Est-ce que nous réalisons qui ça qui a passé actuellement là en Haïti? Donc là, nous vivons dans un environnement qui est corrompu. Pas gen yon sérieux qui a réglé tout bagay en de pays ça, li a mal dirigé. Et selon information, mesdames et messieurs, journaliste anticorruption de DTT Giovanni Michel déclare que André Michel a bail Ariel Henry gros pression pour pas révoquer Ricard Pierre, notre tête ministère planification à coopération externe. Mais André Michel tacle Giovanni. Qui ça le dit? Giovanni Michel, tout ou fait sous moi à Krika, pas gagné aucune importance. Ou pas journaliste, ou pas gagné information, ou pas gagné éthique, ou c'est un petit raquette, c'est quoi vous chercher pour manger, ou pas besoin de continuer, ou pas jouer 5 cob, moi pas gagné cob pour m'baou, ou mettre aller frapper yon l'autre porte, suspend à vili métier journaliste là. C'est ça que M. André Michel lui-même, mesdames et messieurs, lui arrivé déclarer
après tweet ça que Giovanni Michel lui-même li t'a arrivé fait pour montrer à quel point que gouvernement Ariel Henry a lui-même li menacé. Et selon ça il était écrit, c'est que André Michel menaçait pour le passer à l'opposition si Ariel Henry révoquait Ricard Pierre. Or, dans le tweet que André Michel lui-même lui fait, il déclarait que gouvernement Ariel Henry a SDP était attaché ensemble avec lui. Donc, situation lui-même, li yon ti jan compliqué actuellement là, dans le gouvernement Ariel Henry. Puis devant, mesdames et messieurs, situation haïtienne qui a vive en République dominicaine, vraiment compliquée. Ce petit mois d'octobre qui s'est passé à la République dominicaine, voyait tourner environ 14 000 haïtiens. Ensemble avec moi, on suit une conférence pour la presse que yon dirigeant Gario yo-même, yotabay sous question ensemble déportation sa yo. Bon travail que nous faisons sous frontière là, côté que nous rassembler toutes les données qui gagnent sur l'activité migratoire. Yo. Bon, c'est vrai que pour le mois d'octobre, la situation était un petit peu difficile avec la question de la gaz. Ça a été compliqué, un petit peu de travail à agent terrain. Mais nous sommes arrivés à faire le nécessaire pour nous faire le travail. Pour le mois d'octobre, j'en suis dit là, nous avons remarqué une augmentation dans le cas de rapatriement qui fait. Yo. Nous recensons au total 14 801 migrants haïtiens qui sont directement en République dominicaine. 14 801, ça, nous répartissons dans trois catégories. Nous gagnons rapatriement, nous gagnons refoulement et puis nous gagnons retour spontané. Au rapatriement, nous gagnons au total 8 660 personnes qui ont retourné. Il y a deux points, point officiel avec point non officiel. Dans 8 660 personnes, il y a 7212 que nous recevons dans le point officiel. Nous, et puis, il y a 1448 que nous recevons dans le point non officiel. Nous avons une autre catégorie, qui c'est les retours spontanés, qui sont au total de 4 661 migrants haïtiens. Nous avons 1656 que nous recevons dans le point officiel. Et 2985 que nous recevons dans le point non officiel. Refoulement, même effectif là monté à 1500. Point officiel, c'est 1130. Et point officiel, c'est 370. J'en ai dit tout à l'heure, au total, nous recevons 14 801 migrants haïtiens qui répartis en 9 455 garçons. 3798 femmes, 870 petits garçons et 678 petites filles. Dans tout effectif ça nous sommes nous gagnons au total 266 femmes enceintes qui arrivent à joindre nous. Ce qui est important pour nous faire connaître, c'est que tout le monde sait témoigner que yo violé droit dans toute dimension derrière. D'ailleurs, yo prend yo gien c'est l'hôpital que yo prend yo. Gien c'est la caillou pendant abdomi yo prend yo soit à tenue de nuit. Notre travail yo tout côté au jeune yo pas même ba possibilité pour yo ta prend affaire personnel yo juste c'est prend mettre yo dans prison et là si yo te gien document sur yo en pile fois yo déchiré yo pas même vérifier si moun sa yo en situation régulière ou pas. Des fois, on va même vérifier si nous sommes haïtiens. Il suffit que l'on visage haïtien. D'ailleurs, nous recevons Dominicains qui viennent de nous, que ils pensent que c'est haïtien lié, et puis ils ont pimpé au vol. Nous avons fait nous connaître que ils ont frappé. Dans la prison, ils n'ont pas vraiment de manger pour manger. Ils ont dormi à terre parce qu'il n'y a pas de cabane. Donc, et là, ils sont venus, ces machines que ils ont portées dans nous, ils ont entassé pile sur pile. Donc, ils n'ont pas traité autant que le monde. Voir pour yo ta respecter droit yo en tant que monde. Nan niveau que nous capables, nous porter assistance bay moun sa yo. Pour moi docteur Blanc, au total à Belader nous té rivé héberger 583 migrants. Moun sa yo nous bay toute assistance que nous capables, nous bay manger, nous bay rad parce que en pile là de quand même venir pied à terre. Donc nous bay assistance psychosociale
et puis nous baillons tout l'argent pour être capable de payer le transport pour rentrer la caillou. Si nous avons une recommandation, c'est à demander, même si nous connaissons que c'est des paroles que l'autorité dominicaine n'a pas pris, comme si pas bas importance, c'est à demander pour camper sur le patrimoine. Parce que les conditions sont réunies ici pour nous recevoir Mounsaro et permettre qu'ils rentrent la caillou en toute sécurité. Nous connaissons comment situation critique avec question insécurité à gang qui bobabo. Donc, il est vraiment difficile pour Haïti recevoir ou sortir sans lieu comme ça doit. Donc, l'étape important pour que la République dominicaine ta campé sur le processus rapatriement le temps que la vie capable de reprendre en Haïti. Mais tout traiter les migrants haïtiens, tant que le monde connaît qu'ils ont un droit à la santé, bah, aux possibilités pour être capable de travailler et répondre à besoin qu'ils ont en tant que monde. D'ailleurs, plusieurs fois, nous constatons que les sous-champs de travail, les agents migratoires qu'on a chassé, c'est d'eau qui a volé pour être capable de chaper pour eux. Donc, c'est des gens qui parlent vraiment de liberté pour eux. Fonctionner pour vivre tant que le monde en République dominicaine. Et c'est important tout parce que bah, ce plus gros travail là, c'est l'autorité haïtienne qui peut faire. Faire en sorte que soit capable de jouer une solution à la crise que nous connaissons aujourd'hui pour que pour la paix capable d'établir dans le pays et puis pour nous sentir en sécurité, pour petite paix d'Haïti capable de trouver que les juste, les normal pour que le retour dans le pays, le travail, répondre à besoin pour ne pas obliger à chercher humiliation. Et voilà, mesdames et messieurs, et à partir d'aujourd'hui, il y a un haïtien qui peut faire transfert pour famille en Haïti qui vivent en République dominicaine. Donc, il y a un avis qui écrit carrément pour dire que Haïti pas qu'à recevoir transfert de République dominicaine nan moment jusqu'à nouvel ordre. Et depuis sous terre République dominicaine ou pas checké. Chaque mois, ça veut dire qu'on considère que c'est un monde qui est illégal et qu'on peut accepter pièce citoyen en condition d'illégalité à vivre sous terre République dominicaine. Il devant guerre qui gagne entre Fednel Monchéri ensemble avec Pierre Espérance, mesdames et messieurs, il a continué côté Fednel Monchéri lui-même il présente une liste côté Pierre Espérance lui-même moun sa yo li gagne pour li capable assassiner yo. Ensemble avec moi, anta des déclarations Fednel Monchéri. Conférence matin là, c'est justement pour nous dénoncer une autre fois encore plan macabre Pierre Espérance gagné comme monsieur c'est un criminel notoire d'après moun qui sont dans la caille. Nous dénoncer Pierre Espérance, nous porter plainte, plainte dans cabinet d'instruction, Pierre Espérance a fait marronnage, a fait complot en bataille pour monter dossier. Qu'on a une phase assassinat. Monsieur monte en plainte d'assassinat pour équipe qui en face là au niveau d'Elma 40B à 4 machines. Nous dit monsieur, nous gagne information en tout. Nous dénonçons, on va bien mettre petit dossier dit que yo tué nous parce que nous te saute pour tes bagarre la saline. On va bien venir à tes bagarre ça va pas kembe. Ça va kembe pour vous, c'est mettre tête disponible pour la justice. Confronto ensemble avec moi, ensemble avec moun qui dénonce la caillou comme criminel assassin, kidnappeur zinglendo. Et ça vous fait. Donc, n'a dit nous tout que monsieur Benin fait bagarre ça pour effacer trace monsieur Sao qui te dénoncé pour sacrifier dans Delma 40B à la personne de Netier Diego Mouri et ensuite puisque dizaine moun mouri. Nous bien content d'attendre gain information qui a venu qui a dit un tel faut bay rapport faut questionner sur la mort Diego. Donc nous senti gain bay qui a dit pour qui ça peut espérance pas de faire rapport ça. Deux journalistes mouri et youn la dedans qu'on gain entrer sorti la caille et dans matrice li yo et dans matrice li yo sorti. Mais pour qui ça? Au moins, libérer la justice pour que les gens justice. Pas bien qu'un bel dans la matrice, nous cachons, ça crive là. Donc, dans ce sens, nous disons, Espérance, a fait un complot pour l'assassiner, hein? Nous dénonçons et nous disons la justice, quelqu'un va sacrifier nous et ce contre monsieur. Et je viens vous dire là, il y a trois personnes qui ont fréquenté Espérance, mais ensemble avec nous, signons un deuxième document encore, énième document, pour nous dire, commissaire gouvernement, il était tendé Pierre Espérance dans le CPJ. Il a tendé camarades, les collègues, qui c'est madame du Sénat. Donc, il faut que la justice
empêcher monsieur déplacer tout autant que pas fin tendre sous dossier que nous dit là yo dossier Chelson Sanon qui était kidnappé dossier ça qui passé la Saline dossier Delma 32 qui côté que plusieurs monde mourir. Donc nous dénoncer petit acte intimidation besoin assassiner monde. Donc nous porter plainte encore pour vous comme criminel comme assassin. Pas oublier que Pierre Espérance pas fait bagaille d'homme. En sens ça nous voyer un message bye l'international qui connaît financer monsieur pour dire que lui il est le temps pour chercher connait qui monde souterrain qui a fait bail ça ou bien le type n'a pas gain instruction, pas gain éducation, pas gain formation, c'est instinct qui a dirigé. Donc les instincts au monde qui a dirigé sont monde qui comportement animaux. OK, il pas respecter la vie, il pas respecter prestige, il pas personnalité pour être pâle. Et n'a dit tout le monde. D'après information nous joignent dans mes équipe qui était la caille pour expérience. Emmanuel Bissent te bail liste là déjà. Il y a 10 noms qui va mettre dehors là, il va en bailler une liste complet. Mais 10 monde que yo dit yo même qui c'est planificateur, concepteur, réalisateur, exécutant, sacrifié Delma 32. Et moun ki nan tête tout commando sa yo c'est Grégory Libérus qui besoin faire attentat sur nous au niveau Delma 42 qui continue que les Ludovic moun ki nan tête commando qui te envahi moun nan Delma 32 Grégory Libérus alias Ludovic la faille n'a pas rappelé pour tout le monde la justice arrêté la faille au Kay semaine passée yo commissaire gouvernement arrêté gagné un autre encore Michel Gabar qui gagne plusieurs noms, il a arrêté l'Antigua et tout le monde a témoigné. Donc nous demandons que pour dossier ça, il arrive devant le juge d'instruction en passant par le paquet qui pourra acheminer. Donc et dans ce sens, ça nous dit l'international. Mes amis, nous allons financer l'argent peuple, la caille nous, et puis nous allons utiliser pour renforcer gang, monter association criminelle. Donc Pierre Espérance nous dit que faut gain lumière fait sous comportement sous façon d'agir en dedans pays ça matin là nous écrit commissaire gouvernement encore nous parler tribune nous parler Nations Unies nous parler toute instance internationale yo côté que monsieur te gain oral a parler la voix monter la bail mentir la fait toute saleté qu'on fait yo pour que au moins pour connait citoyen ça qui mouni. Voilà, mesdames et messieurs, effet de mon chéri fait partie de liste moun que États-Unis lui-même lui arrivé couper visa yo. Pas oublier effet de mon chéri Gaynol qui citait nan massacre qui t'est fait la Saline nan année 2018. Mesdames et messieurs, bien que lui essayé nier toute évidence qui t'a lié lui ensemble avec massacre Silla. Éphéméride nous pour jeudi 14 novembre 2022, mesdames et messieurs, c'est qui ça? 14 novembre 1846, promulgation de la Constitution de 1846. Promulguée par le président Jean-Baptiste Richer, cette Constitution remit Haïti sur la voie de la légalité. Et proverbe nous pour jeudi, c'est Cabrit gade jemet kay avant l'y rentrer. Cabrit gade jemet kay avant l'y rentrer. Souvle comprendre. Ou à comprendre. Et c'est là que je débute avec l'information aujourd'hui. Merci de ce que vous likez, commentez, partagez. Merci de ce que vous invitez en famille ou en amis ou abonnez à Info 5 pour être capable de gagner bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.